Hello les amis, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je voulais vous tout de suite vous remercier pour tous les retours que vous avez faits suite à ma dernière vidéo. J'ai été très touchée par par tous vos retours. Je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur. Donc je vais mieux de ce côté-là. Je dis de ce côté-là parce que entre-temps j'ai été chez maman. Je l'ai aidée à rentrer ses énormes pots de fleurs dans la véranda avant les premiers froids. Et voilà, je me suis coincée le dos. J'ai voulu faire l'héroïne en lui disant non, 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 c'est trop lourd pour toi. Laisse-moi faire, je gère. Et j'ai pas géré. J'ai été un peu trop fort. Mais bon, voilà, ça va passer. J'ai fait quelques petits exercices ce matin. On va reprendre du poil de la bête. Mais voilà, ça me force à rester tranquille. Et en rentrant, j'ai trouvé un énorme colis. Énorme, j'ai juste enlevé l'adresse. Donc je vais le reprendre, je le mets sur mes genoux, on va le déballer ensemble, je vais essayer de gérer mes émotions. Il s'agit d'un colis de Aurélia de la chaîne Les Chouettes Cartes Dorine. Aurélia, tu m'avais dit que tu voulais m'envoyer une carte postale, je crois que c'est pas vraiment une carte postale, hein, tu m'as eu encore. On va pas perdre de temps, hein. J'ai envie de découvrir, mais je pense que c'est encore des folies. Oh là là. Alors, je vais voir, il y a un petit mot. Lettre. Super. Ah ouais. Je vais la lire toute seule parce que sinon je vais pas tenir. Et oui, merci pour ton 06, avec plaisir, oui. Ça sera plus facile. Allez, c'est parti. Oh. Voilà. J'ai pas réussi à vous faire la vidéo avec les sélections d'automne. Et là, on a déjà la déco pour les sélections d'Halloween qu'il faut absolument que je vous tourne. Il est beau. À la fois citrouille et à la fois sorcière. Une superbe bougie. Merci beaucoup, beaucoup. Oh, mais c'est de la folie. Mais c'est Noël avant l'heure, là. C'est incroyable. T'es sûr que c'est pas le calendrier de l'Avent? Oh, un petit dessin de ta fille. Waouh. De Erin. Ah bah oui, un panda. Elle a bien observé. Il est magnifique. Merci beaucoup, Aurine. Erin. Oui, c'est voilà, avec Aurélia et Erin, ça fait. Et Erin, ça fait Aurine. Merci beaucoup, Erin. Oui, tu as bien observé parce que tu as vu que j'avais un petit panda en logo. Merci, il est trop beau. Une série de bougies. Une délicate odeur. Elles sentent bon. Des fois, rien que sans forcément les faire brûler, rien qu'en avoir comme ça plusieurs dans une pièce, ça prend toute sa dimension. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Regardez-moi ça. De la sauge et
Santo. Elle sent divinement bon. J'aime beaucoup l'odeur de la sauge. Oh là là. C'est incroyable. Ça aussi, c'est une délicate attention. Les échanges de plumes, notamment chez les Indiens. C'est vraiment quelque chose que l'on offre à des personnes que l'on apprécie beaucoup. Peut-être que dans ton courrier, tu m'as mis de quel oiseau elle provient. Là, comme ça, en lisant rapidement, je ne vois pas, je relirai. Waouh! Ils sont bons aussi. Waouh! C'est superbe! Un porte-carte en bois naturel. Oh, mais c'est Noël. J'aurais dû le garder pour Noël. Elle est magnifique. Je suppose qu'elle vient de chez toi, remplie de ton énergie et de l'énergie de ta terre. Elle est superbe. Mais c'est pas possible, ça n'en finit plus. Un rouleau d'autocollants. Il est tous des petits autocollants en rond. Oh, il y en a une tonne avec un papillon de nuit, le jour, les lunes, la fleur de lotus, des minéraux. Il est superbe. J'ai marqué tous mes tirages. Oh, merci, merci. Dans mes cahiers de tirage, ça viendra égayer. Mais c'est honteux. Il y a trop dans ce petit pochon. Waouh! Oh là là! Magnifique. Elle est belle. Ne me dis pas que c'est une que tu avais retrouvée. C'était où chez ta maman? Ou chez ta grand-mère? Pardon. Quand tu nous avais montré tous tes trésors. Elle est d'une finesse et puis j'aime tellement le blanc. Regardez ce travail. Oh là là. Mais c'est pas possible.
finesse. Elles sont magnifiques, ces plumes. Mais c'est des folies là que tu m'as fait, Aurélia. Magnifique. Un magnifique collier. Est-ce que c'est toi qui as fait tout ça? Non, mais c'est indécent. C'est indécent. C'est le mot qui me vient là. Moi qui aime tellement les plumes, le blanc, t'es vraiment en plein dedans. Je vais remettre aussi le dessin. Une chouette. Oui, bon, je vois des oreilles. Waouh! Avec des livres. Mais après. Je ne sais pas si vous avez vu comme tout est coordonné, c'est incroyable. C'est génial parce que ça va me faire patienter, parce que je voulais absolument retrouver celui que ma marraine m'avait ramené du Canada. Toujours pas trouvé le bon carton. Celui-ci va prendre le relais. C'est pour ça. Il y a toujours une explication. Et je vous préviens, ça n'en finit pas. Le papier est superbe aussi. Vraiment, deux tonnes. Oh là 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 là. Oh! Une tortue. Elle est superbe, je rigole parce que t'as vraiment ouais, fais attention. T'as repéré tout ce qui me plaît, quoi. C'est pas possible. Avec une petite chaîne, je suppose, pour l'attacher. Est-ce que la lumière passe au travers? Ah oui. Ah oui, il faut le mettre devant une fenêtre, la lumière passe au travers et je pense que ça va illuminer. Elle est magnifique. Oh, ces couleurs. Vous voyez, il y a une petite chaîne avec. Donc on doit la suspendre. Ici, par le petit trou. C'est incroyable parce que comme ça fait mat et en fait, moi qui ai la fenêtre juste à côté, ça donne une profondeur quand on le met devant. Hein. Ah oui, là, les deux. Ok. Quand on met devant là, une source lumineuse, là, c'est extraordinaire. Même comme ça.
Ça renvoie une lumière incroyable. Un marque-page avec deux aimants. Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Oh, c'est beau. Irine, attention, essaye. Voilà. Ouais, je ne sais pas si vous avez entendu l'aimant. Un superbe marque-page. Quand on parle d'abondance, là, c'est vraiment ça. Oh, un corbeau. Principe. C'est incroyable, ses couleurs. Il est magnifique. Et là, c'est le vrai corbeau, quoi. C'est pas la corneille, hein, avec la bosse qu'il a sur le nez, sur le bec. Les couleurs sont incroyables. On dirait des vrais vitraux, quoi. Là aussi. J'ai pu avoir assez de place, hein, je vous préviens. Avec une belle corde pour l'accrocher. Le tapis de tirage, mais c'est pas possible, hein, Aurélia. Avec les pivoines. Et regardez avec les couleurs là des deux. Je sais pas comment ça s'appelle. Vitraux. Attendez, je vais déplier en dehors. Ils sont bons. Voilà. Avec le même corbeau et des pivoines, ma fleur préférée. Incroyable, les couleurs, la finesse. Il est d'une douceur, il est tout souple. Voilà, ça fait beaucoup, beaucoup d'émotions. Exagéré, hein, exagéré. Le tissu est magnifique. Pour ranger, je rangerai le chapelet ou les petites pierres. Oh. C'est chouette. Ça me rappelle les portefeuilles.
un petit peu à l'ancienne comme ça, qu'il y avait les grands-parents, oui, ils faisaient venir les pièces. J'adore ces motifs. Je reviens. Oh, ouais, c'était me reprendre, surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe autour là, d'être aussi gâté, ça redonne aussi beaucoup de force. Merci, merci, merci. Oh, il est extra. Un tampon. Il est magnifique. Attends. C'est trop drôle. Regarde ce que ma fille m'a offert. C'était l'année dernière. Voilà ce que ma fille m'avait offert l'année dernière. C'était un panda. Et là, nous avons un raton laveur. Ils iront trop trop bien ensemble. Il est magnifique. Et chaque année, elle en rajoutera à ma collection. Ça, c'est le dernier. Et le van. Et ça, c'est super parce que on applique le tampon et après on peut peindre à l'aquarelle une fois que c'est bien sec. Il est superbe. En plus, c'est un vrai indien avec toutes ses plumes encore. Beaucoup de plumes. Beaucoup, beaucoup. Et les papiers sont magnifiques. Oh, c'est... Oh, la mère, c'est dévouée, sensible. Ça y est, ça remonte, hein, ça va repartir. Chaque objet... Oh là là. Chaque pierre est réfléchie. Enfin, chaque pierre, n'importe quoi. Chaque cadeau est réfléchi. En plus, c'est jaspe dalmatien. Oh! Stimule la réflexion, la prise de décision. La rhodanite apaise le cœur. En apportant tendresse, douceur et amour. Important de ne jamais oublier ça. Oh. C'est du bois, c'est pour ça que ça fait du bruit. Elle va bien. Elles sont énormes. Et l'apatite favorise la confiance en soi pour plus de lâcher prise et d'assurance. Oh. Merci, merci, merci. Et heureusement, on arrive au dernier parce que là, mon cœur, il va pas tenir. Je vais
que je ressors d'un week-end qui a été fort en enfin de 2 jours fort en émotion, avec beaucoup de partage d'amour et de cadeaux aussi. Là, je ne peux que repartir avec des forces. Avec des forces, avec oui, de l'amour et de la confiance. Oh non. Un magnifique carnet de dragon. Magnifique. J'adore aimanter. Il est tout illustré avec des dorures. Waouh, une alternance de lignes, de pages unies. Oh, il est... Oh là 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 là. Il va falloir que je réfléchisse bien à ce que je vais mettre dedans. Waouh, un phénix avec un agenda. Ah, c'est un perpétuel. Mais chaque page est différente. Chaque illustration sur chaque page. Waouh, oui, c'est vraiment le mulet. Comment? Bullet? Mulet. Le cahier bullet pour faire. Il va falloir vraiment, ouais, que je réfléchisse pour l'utiliser. À bon escient. Il est magnifique. Regardez toutes ces illustrations d'une grande finesse. Oh, et ben. Regardez ces tranches. Ces petites illustrations qu'on retrouve à l'intérieur. Et ben un énorme, 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 énorme merci. Je pense que je vais redécouvrir tout ça tranquillement. Refaire toute ma petite déco. Merci, merci. Je t'embrasse, toi et Erin, du fond du cœur, très très fort. Et puis on se retrouve hors caméra. Et merci à tous d'avoir partagé ce moment fort avec moi. Et maintenant, quand vous retrouverez tout ça en décoration, vous saurez d'où ça vient. Merci, merci, merci. Merci Aurélia. Je fais d'énormes bisous. Je vous embrasse tous. Comme quoi, vous voyez, il y a, voilà, la roue. La roue tourne. On a des réconforts et des retours comme ça de. D'énergie, d'échange, des belles rencontres aussi. Hein, sur, bon, on s'est déjà rencontrés avant le cadeau, hein, bien sûr, mais sur cette toile. Même si on parle de virtuel, c'est pas que ça. Vous voyez bien que ça se matérialise. Ben, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!